Eh bien, c'est tout le monde, c'est Thor, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un bon mois d'absence. Donc, on se retrouve sur SCP The Descent. Donc, comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, je vais faire donc la FAQ sur ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu, à part descendre des escaliers, il ne se passe rien d'autre. Si ce n'est qu'il peut avoir un jumpscare. Donc, commenter ça allait être dur. Du coup, j'ai les questions ici. Et en gros, à chaque étage, je vais répondre à une question. Donc, le jeu a ni écran titre. Dès que je lance, ça fait ça. Donc, si j'appuie sur échappe, si j'appuie sur échappe, tout simplement, le jeu se quitte. Et voilà. Donc, je vais aussi parler un peu de la chaîne, de comment ça va se passer. Donc, j'ai à peu près, on va dire, 10 questions. Donc, c'est parti. Donc, le jeu peut durer 5 minutes comme 3 heures. Hein. C'est très sombre. Donc, étage 0. La sensibilité de ma souris, voilà. Je stresse beaucoup là. Ok, étage 1, première question. Alors, de Studio Utom, peux-tu faire du Slicer.io? Alors non, parce que ce jeu, en plus de pas être dans le thème de ma chaîne, il ne m'intéresse pas. J'ai pas du tout aimé, mais genre pas du tout. Donc non, pas de Slicer.io. Première question répondue. C'est parti. On continue. Étage 2, deuxième question de Adèle Bellassène, donc enfin de Ilias Bellassène, un ami à moi. Ton logiciel de capture, Bandicam, craqué, un bon logiciel, vraiment. Voilà, donc juste. Bah voilà, deuxième question. On va continuer, putain. Bah, apparemment, le jumpscare fait vraiment très peur. Hein. Est-ce que j'ai le son? Bah, c'est bon. Ok. Ah, question 3 de Matisséenne, Mathis le Thug, pardon. Il m'a demandé de faire ça. Pourquoi t'as voulu faire des vidéos sur YouPorn YouTube? Très drôle. En fait, c'est un délire avec Guigui Gaming, un ami à moi. D'ailleurs, le lien de sa chaîne est dans la description, tout comme la chaîne de Mathis d'ailleurs. Voilà, c'est un petit délire que moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé faire des vidéos. D'ailleurs, les vidéos vont reprendre bientôt activement. C'est bientôt la fin des cours pour moi alors. Voilà. Donc on va passer à la quatrième question. Voilà. C'est quoi ce saut là? On peut glitcher le jeu. Mais on est sur la lune? Pardon, j'ai arrêté de faire le con. Quatrième question. De Naru Fox, quel jeu d'horreur t'a fait le plus peur? Le jeu d'horreur qui a fait le plus peur? Moi en fait, en termes d'horreur, ce qui m'a le plus effrayé, c'est pas un jeu, c'est une vidéo de la Dame Blanche. J'avais genre 8 ans, je l'ai vue et aujourd'hui encore, je peux en faire des cauchemars. Donc ça, cette vidéo m'a vraiment fait très peur parce que surtout, je m'attendais pas. Au début, ça commençait par un début de Minecraft, puis après, boum, un jumpscare et le fait de pas m'y attendre, ça m'a vraiment traumatisé. En plus, j'avais 8 ans, quoi, j'étais assez petit. Donc voilà, quatrième question. On va passer à la question numéro 5. D'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont posée. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Caca. Putain, à chaque étage, c'est l'horreur. Cinquième question, donc, qui a été posée par Super90, Matisséenne. Alors, il y a une autre qui m'a posé la question, mais elle a souhaité que je ne dise pas son pseudo, donc je ne le dirai pas. Pourquoi tu fais des vidéos d'horreur? Change un peu. Alors, toutes les questions n'étaient pas formulées comme ça, mais ça revient toujours à la même chose. Alors, des vidéos d'horreur, parce que c'est le style de gaming que je préfère. Et change un peu, vous inquiétez pas, je vais changer. Mais pour l'instant, avec le rythme de vidéos que je fais, je peux pas vraiment changer en fait. C'est que si je fais une vidéo par jour, évidemment, je vais pas faire que de l'horreur. Mais une vidéo par semaine, voire une vidéo par mois, comme ça a été le cas maintenant, je peux pas me permettre de faire autre chose que de l'horreur, sachant que les vidéos sont rares en ce moment. Donc voilà, cinquième question répondue. Sixième question, donc c'est parti. Pardon. Putain, mais
Je vous jure, là, à regarder la vidéo, vous direz peut-être, mais Victor, il se passe rien, mais jouez au jeu, vraiment, hein. Parce qu'en plus, j'ai jamais vu le jumpscare. Et là, c'est vrai, j'ai vu la vidéo de Kigar sur ce jeu. Il a pas montré le jumpscare jusqu'à l'étage 100. Putain, moi, je sais pas à quoi il ressemble, quoi. Sixième, donc, encore une fois, de Elias. Est-ce que tu comptes faire des vidéos sur Outlast? Pourquoi pas? D'ailleurs, en parlant, Slender Zarevo, donc le gameplay pourra très bien reprendre demain. Tout comme ne jamais reprendre, le jeu a définitivement planté, j'ai dû le réinstaller. Et là, je sais pas s'il marche en fait. Donc, Outlast, pourquoi pas? Si un jour j'ai le jeu pour faire un autre gameplay, pourquoi pas? Là, la question 6 a été répondue. Oui. Va glitcher. Merde. Je suis coincé, c'est un foulard! Et t'achètes donc de Guigui Gaming, donc ça, le lien s'achète dans la description. Pourquoi Victor Gamer? Parce que je m'appelle Victor et que ma chaîne est basée dans le gaming. Et pour pas faire Victor Gaming, Victor Gamer. Alors peut-être qu'aujourd'hui je devrais m'appeler Victor Horreur, mais au moins avec Victor Gamer c'est général. Et donc voilà, c'est tout. Donc question 7 répondue. Après il y aura la question 8. Ok, c'est parti. Le jeu est super sombre, je sais pas comment ça va donner sur YouTube. Étage 8. De, encore une fois, Elias Bellasen. As-tu des rapports sexuels avec un hibou? Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Comment tu sais? Non, c'est une blague. Voilà, j'ai répondu à ta question. Évidemment que non, car en plus, je crois que j'ai jamais vu de hibou de ma vie. Et après, donc, la question 9, encore une fois de Elias, donc lui m'a posé 1 milliard de questions, ce gars-là. Ah oui, aussi, je tiens à dire que le jeu a été super chiant à retrouver. Mais quand je vous dis super chiant, c'est que c'est vraiment hyper chiant à le retrouver. Tous les sites d'horreur, il n'y avait plus. Étage 9, ok! Encore une fois de Elias, comptes-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, évidemment que oui. Déjà avec Skyflouz, ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec lui, mais j'en ai déjà fait. Choupatoon14 est une collègue youtubeuse, si on peut dire ça comme ça. Mais évidemment, elle a bientôt 1100 abonnés. Donc je pense que moi, je suis qu'une demande parmi tant d'autres. Donc pour elle, ce sera un peu plus compliqué. Sachant que c'est deux youtubeurs Minecraft, et je touche plus du tout de ce domaine-là. Avec B-Boy2Speed et Guy Gaming, il y aura beaucoup plus de chance, je pense. Donc après, après donc il y a une dernière question et après on va un peu parler de l'avenir de la chaîne. Donc ouais, c'est ça, c'est 10 questions. C'est ça, c'est ça. Si on compte pas les 3 questions qui ont porté sur le même thème. Étage Yesu. Et donc c'est Sylvestre Graphite. J'arrive pas à prononcer. Donc encore une fois, c'est un gars que je connais. Aimes-tu la 501? Alors la 501, en fait, c'est comme ça qu'on numérote les classes dans mon collège. Et donc la 501, c'est ma cinquième. Évidemment, si des gars de ma classe me posent des questions, évidemment qu'ils vont me poser des questions. Donc oui, j'aime la 501. Gros bisous à vous. On va faire un étage pour parler donc de l'avenir de la chaîne, de ce que je compte faire pour plus tard. On va pas... Non, là j'ai vraiment peur. Donc on va rester ici. Allez, bah voilà, l'étage 11 il est là, parfait. Oh là là! Détends-toi, bro! Ouais, on va se mettre ici, hein. Au moins ici on est au calme. Alors, c'est dans cet angle-là, voilà. Non, comme ça. Donc, pour plus tard, je compte faire des creepypasta. Donc j'ai déjà écrit quelques creepypasta, enfin que j'ai surtout traduit. Donc voilà, donc je compte faire des creepypasta pour le 14 juillet, donc la date de mon anniversaire. Oui, je suis né à la fête nationale, on me le dit souvent. Donc j'aurai un micro, donc
Pour le son, ce sera vraiment bien. Qui dit micro dit logiciel pour enregistrer micro, donc qui dit montage. Donc les vidéos seront encore de meilleure qualité niveau montage. Donc voilà, il y aura plein de trucs comme ça qui vont arriver dans les vacances d'été. Même si pour nous à La Réunion c'est l'hiver. Donc voilà. J'ai fait le tour en tout cas pour cette vidéo. Pourquoi cette absence aussi? C'est parce que c'est la fin. Je devais un peu travailler car là c'est on va rendre les bulletins du troisième trimestre. Donc voilà, donc j'ai un peu plus fait d'efforts et surtout j'avais surtout plus la motivation pour faire des vidéos. Donc voilà. Donc FAQ spécial 100 abonnés. D'ailleurs je vous remercie, on est 112. Ça fait vraiment super plaisir. On est 112 abonnés. Mais je sais pas qu'on en aura 120 au moins à mon anniversaire, donc le 14 juillet. Donc voilà, bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez voir la chaîne de Guillaume, etc. Mettre un petit like, commenter, partager, vous abonner. Et on se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, aussi, le lien du jeu est dans la description. Ciao!